Qui trouble mon repos? Un étranger sur nos terres. Avant que je m'endorme, les anges et les démons étaient les seuls enfants de la création. Mais toi, tu es d'une toute autre espèce. Depuis combien de temps dormez-vous? Combien? Je l'ignore. Mais je suis deux fois moins gros qu'avant. Quand un automate dort, sa pierre se disperse. Retrouve ma substance vagabonde et rapporte-la-moi. Et comment dois-je m'y prendre? Prends ça. C'est un fragment de mon être pour ranimer la pierre inerte. Quel est votre nom? La pierre n'a pas de nom. Mais dans la chair, on m'appelait Oran. Ma pierre est éparpillée sur les terres de la forge. C'est parti. Ma pierre est à nouveau entière. Merci, étranger. Les fondateurs, je sens leur désespoir. La corruption s'étend, mais il est peut-être encore temps. Le désespoir n'est pas facile à vaincre, et la corruption encore moins. Certes, mais il existe une arme contre ces maux. Les fondateurs doivent retrouver leur courage, la volonté de lutter contre le déclin. Tu dois leur rappeler les miracles dont ils sont capables. As-tu entendu parler des chroniques des fondateurs? Je dois avouer que non. Elles regroupent l'ensemble de notre héritage. Même oubliées, elles n'ont pas pu disparaître. Cavalier, notre rencontre n'est pas une simple coïncidence. Nous devons retrouver les chroniques. Nous? Ton corps mince et agile peut passer là où le mien reste bloqué. Très bien. Où puis-je trouver ces chroniques? Ah... C'était il y a si longtemps. Je ne sais pas où elles sont. Mais il reste une chamane parmi les fondateurs. Elle pourra te répondre. Je reviendrai avec ces chroniques. Thank you.
Que cherches-tu, cavalier ? Les chroniques du Fondateur. Je vois mal en quoi elles pourraient t'intéresser. Mais tes intentions importent peu. Même moi, j'ignore où elles sont cachées. Vous ne pouvez vraiment rien me dire. Eh bien, une magnétite pourrait nous révéler leur emplacement. Ces artefacts ont été taillés dans la même pierre et font tout pour être à nouveau réunis. Si tu portes une magnétite, elle te guidera jusqu'aux chroniques. Où puis-je en trouver une ? Ces pierres sont précieuses et elles sont à usage unique. Une fois que la magnétite et les chroniques seront unies, tu ne pourras plus les séparer. Je me moque de sa valeur et une seule fois suffit. Très bien, mais je veux quelque chose en échange. L'Umbractea est une plante en voie d'extinction. Ses graines possèdent de puissantes propriétés curatives. Rapporte-moi quelques-unes et tu auras ta magnétite. Très bien, je trouverai ces graines. Les créatures de ce monde raffolent de l'Umbractea. Tu trouveras sûrement des graines dans leur ventre. Tu as touché les ténèbres, encore et encore. Les ténèbres s'agitent autour de nous. Tu es de retour ? Quel manque de foi, chaman. Voilà vos graines. Comme toujours, tes motivations sont difficiles à cerner. Mais tu as ma gratitude. Voici votre histoire, Oran. Enfin, à travers cette tablette, c'est comme si les âmes de nos ancêtres restaient proches de nous. Je suis sûr que tu comprends. Dès, tu n'es pas aussi froid que tu veux nous le faire croire. Eh bien, gardez ça pour vous, l'ancien. Les fondateurs doivent retrouver leur courage, la volonté de lutter contre le déclin.